Messieurs, dames, bien le bonjour, ici Glub de Glub Gaming et on se retrouve sur Spyro pour le niveau Village Terrasse. Allez! C'est calme quand je me tais, non? Moi, je crois que oui. Allez, chargement terminé. Vu la taille du chargement, ça devrait être un long niveau, je pense. Alors, l'autre avec son gourdin machin. Du coup, il faudra dans ce niveau récupérer 400 gemmes et 2 dragons. Et vu la map, ça a l'air d'être relativement linéaire. Ok, bon, jusque-là, ça va. Les chimico-punk électro-cute machin. Electro Swag Orc avec leur truc. Ça va. Putain, j'adore le design des trucs. Oh, il tue le poulet. Ok. On lui crame le fion, lui. C'est bien ça. Parfait. J'adore ces ennemis. J'adore leur style là, un peu punk, électro-punk machin là. Ils ont de la gueule. Et bzim! Merde! Bzim! Ok, bon, ça va. Bim bim. La petite vie. Mon dieu. Ok, bon. Quand on mongolise pas trop, ça va, mais. Quand on mongolise, ça va quoi. Oh, j'avais pas vu ça tout à l'heure. Bien fait de retourner dans ce sens-là. Hop, hop, les petits poulets, on les a tués en plus, parfait. Pas oublier tous les recoins. C'est important, toutes les gemmes que l'on laisse comme ça, elles peuvent nous porter préjudice à la fin du niveau. Tous les petits coffres, pareil, comme ça, qui sont cachés dans les petits recoins, là. Malin, malin. Premier dragon. Avec un poulet. Claude. Quand je disais les noms de dragons, ça devient ridicule. Attention Spyro, les gnorques des environs ont découvert le pouvoir de l'électricité. Et ça pique fort. Prochain dragon, ça sera genre Hubert. ou Bernard. Incroyable. Putain, ils sont chiants les petits là dans leur truc. Là, il y a deux coffres qu'il faudra péter avec d'une manière ou d'une autre. Une supercharge, un projectile, je sais pas quoi d'autre. Attention, je vais laisser taper. Parfait. Comme ça. Est-ce que j'ai pas oublié d'autres choses, à part ces deux coffres, bien sûr. Bim. Vraiment, il y a des recoins de partout sur cette map, par contre. Ah, regardez. Vous voyez ça? Ça, c'est ce qu'on aime. Est-ce que ça? Ok, moins 1. Vous trouvez l'autre feu d'art? Là, vous voyez l'autre fusée là-haut là, au, juste au-dessus du truc, il y a une fusée qui va péter normalement ce coffre. Bon, jusque là ça va. Comment on monte là-haut, par contre? Moins qu'on s'envole de quelque part, bref, on verra plus tard. J'attends que lui, là-bas, tape sur le sol, parfait. On tape lui, on se rapproche. Merde, il m'a tapé, on le tape. Deuxième dragon. Cyprin. Bon travail, Spyro. Un jour, tu pourras raconter tes extraordinaires aventures à tous les dragons. Ouais, mais là, j'ai surtout envie de quitter ce marais. Des poulets. C'est toujours du bien. Ok, bon. Bien géré les... Ça dégage le poulet.
bien gérer les petits monstres. Tiens, mange le papillon, toi. On va récupérer la vie. Hop, hop. Ok, plus rapide que lui. Ok, on est assez rapide. C'est habile. Donc là, il y a le portail de retour à la maison à cet endroit-là. On va juste passer là. Parce que j'avais vu des... Merde, des gemmes. Ok. Je me suis perdu dans ce niveau. Il y a trop de passages. Ok. No skydiving. Donc pas de chute libre. À partir d'ici. Ok, donc là c'est là d'où on a fait le truc. Très bien, parfait. On remonte. Hop, on repasse par là-bas. Sauf que cette fois, on va voler jusqu'à là-bas. Merde. On se fait toucher comme il est merde. Lui, on l'a eu. Et du coup, on va voler là-bas. Merde. À moins qu'on vole là-bas, puis ensuite on... De là-bas, on peut ressauter jusqu'ici à droite. Bref, on va voir ça. Merde, peut-être pas le bon timing pour le saut. Ce qui me semblait. Bon, on a le portail de la maison. Bonne nouvelle, mais... Attention à pas sauter dessus, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'à partir d'ici, on peut voler jusqu'à là? Ouais, ok, c'est jouable. Du coup, maintenant, il nous reste quelques gemmes à choper. Notamment avec la fusée là-bas. Ok, ça doit être ça. Ok. Bon, ça va, c'est cool. On est plutôt... plutôt smart sur ces coups-là. On a laissé une gemme là-bas, vous la voyez, non? C'est une gemme ou pas? Donc c'est juste du décor, non, c'est une fenêtre de... Une fenêtre, ok. On va péter la fusée. Ok, donc ça c'était le coffre. Pourquoi il y a une autre fusée? Ah, il y a un autre coffre là-bas. Bim, 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 ok. Alors on va déjà récupérer... Le coffre qui est là-bas, enfin les joyaux qui est là-bas du coup. Puis pour enfin aller récupérer ce qui devrait être les derniers joyaux. Sauf que j'ai l'impression que ce n'est pas les derniers joyaux, il nous en manque. Parce qu'on a oublié des choses, il nous en manque 11. On va retourner au début. Ah bah déjà, en voilà quelques-uns. Dans le doute, retour au début, on va tous refaire vite fait. Qu'à retrouver des joyaux. On est arrivé ici. Là-bas. Bah c'est tout. Ah oh, ok, bah très bien, on a tout trouvé du coup. Et maintenant, bah vous m'accompagnez jusqu'au portail. Pour se laisser dans un élan de tristesse et de désespoir, mais ne vous inquiétez pas chers amis, vous aurez les autres vidéos. En même temps on va pouvoir profiter de ce moment pour nourrir Sparks, parfait. Et du coup, bah voilà, je vous fais des bisous et à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao!